bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une review Kawaii Crush. Et aujourd'hui, c'est le coffret Amanda Panda Pop. Donc voilà la boîte. Alors en haut, ici, on a un icône de cœur avec un petit icône nounours. Que de l'iPad Collection. Alors ici, sur la boîte, on a une tête de panda. Donc c'est le compagnon d'Amanda. Donc vous pouvez la voir à travers la boîte avec ses vêtements et son compagnon. Ici, le logo Kawaii Crush. Voilà, coffret. Le nom Amanda Panda Pop. Ici, des petits smileys, genre des petits visages rigolos. Ça fait très manga. Voici l'arrière de la boîte. Alors ici, on a des petits icônes très mignons près du code barre avec les animaux. Super joli. Donc ici, on a le site Kawaii Crush, si vous voulez aller voir. Et là, on a les autres de la collection. Donc elles sont super mimi. Donc j'aimerais vraiment les avoir toutes, mais pour l'instant, je fais une petite pause. J'ai acheté juste deux boîtes, mais plus tard, j'en achèterai d'autres. Voilà. Donc je vais ouvrir Amanda pour vous montrer de plus près. Donc la voilà sortie de la boîte. Elle est accompagnée d'un compagnon. C'est un petit panda. D'un second bonnet. Genre elle a une casquette et donc là elle a un bonnet. Et d'un petit pantalon. Alors je vais vous montrer d'abord le petit panda. Donc il est blanc et violet. Il a une casquette aussi panda. Donc c'est rigolo, ça fait une superposition. Donc sur la casquette on a les oreilles, les yeux et le nez. Voilà. La casquette peut se retirer. Donc voilà, il est tout mignon. Il y a une petite pose rigolote, voilà. Donc c'est très minutieux, c'est tout petit, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais vous montrer maintenant Amanda. Elle porte aussi le même type de casquette, comme vous pouvez le voir. Donc ça se retire. Donc c'est vraiment presque la même casquette, on va comparer. Voilà. Donc en plus grand, à la place, on a un petit cœur dans chaque œil. Voilà. Alors sinon, Amanda a les cheveux bleus avec une frange, les cheveux très longs lorsqu'ils arrivent aux pieds. Voilà. Ensuite, elle a les yeux de couleur violet. On a un cœur dans chaque œil aussi. Elle a un rouge à lèvres rose. Donc voilà. Donc elle est habillée avec une sorte de sweat violet et blanc. Elle porte une mini-jupe avec une tête de panda qui peut se retirer. Voilà. Sinon, elle a des super chaussures en forme aussi de panda qui se retirent, comme vous pouvez le voir. Ça se retire très très facilement. En fait, c'est des matières souples. Donc, c'est facile à remettre et à retirer. Donc, on peut retirer la mini-jupe. Donc, ça fait une petite mini-jupe encore. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et donc si on retire les chaussures, on peut remplacer par un pantalon. Ça fait vraiment panda. Donc, voilà, ça se met facilement comme vous pouvez le voir. C'est souple. C'est pas un plastique dur. Voilà. Et avec le bonnet panda. Qui est super joli. Voilà ce que ça donne en deuxième tenue. Donc voilà pour Amanda Panda Pop. J'espère que cette review vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine review Kawaii Crush. Salut!